Salut à tous, aujourd'hui c'est le sixième jour de mon petit challenge de une peinture à l'huile à la prima par jour pendant 7 jours. On a déjà fait les 5 qui sont derrière là. Et aujourd'hui on va faire cette petite peinture qui est super classe, que j'aime beaucoup, qui est inspirée d'une chute d'eau, d'une cascade que j'ai visitée lorsque j'ai fait un voyage en Afrique au Togo et au Bénin avec des amis qui étaient vraiment super. Et voilà, du coup j'avais envie d'en faire une petite peinture à l'huile et puis d'essayer d'avoir un rendu un petit peu à l'ancienne, comme ça, comme on peut voir parfois dans des peintures un peu vieilles, avec des couleurs comme ça très désaturées, très proches de la terre, avec un vert qui est un petit peu vibrant et puis des rouges autour qui sont vraiment très désaturés. Donc aujourd'hui c'est ça qu'on va voir, je vais donner un petit peu en 5 étapes comment faire pour avoir ce résultat un petit peu old school. Dans la vidéo de demain, donc de samedi, ce sera la dernière vidéo sur ce petit challenge et je vais répondre aux questions que vous avez posées éventuellement. Donc si vous en avez d'autres à poser, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, mettez-les dans les commentaires et comme ça demain je pourrai y répondre. Alors le premier truc à faire avec un truc qui est relativement liquide, ça va être de venir recouvrir l'entièreté de ma toile pour casser ce blanc. Le problème du blanc, c'est que quand tu peins, en fait, il va toujours y avoir des petits endroits où tu manques un petit peu de mettre de la pâte et tout, et ça transparaît un petit peu, ou alors tu vas devoir galérer à tout recouvrir à 100%. Donc c'est pas quelque chose de très agréable, et en plus, c'est mieux de peindre sur une surface qui soit relativement foncée, tu vas avoir un meilleur jugement de tes valeurs. Donc dans ce processus, en fait, cumulé à celui-ci, on va dire un peu au même moment, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à travailler mes formes, avec pas mal de terre naturelle, un petit peu de rouge oxyde, peut-être un petit peu de vert de vessie pour désaturer, puis rajouter un petit contraste rouge-vert, tu vois, un peu sympa. Et je vais venir commencer petit à petit à travailler mes valeurs sans ajouter de blanc et en travaillant plutôt avec quelque chose de transparent. Ça, c'est une méthode un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui, j'ai fait un médium avec pas mal de térébenthine de Venise dedans qui va me donner une texture un petit peu collante au bout de quelques dizaines de minutes, éventuellement une petite heure, va être un petit peu particulier. C'est vraiment très très intéressant pour refondre la pâte à l'intérieur de quelque chose en fait. Quel que soit le médium que tu utilises, en fait, ça va prendre un petit peu de temps à cicatriser, donc la texture de ton médium, de ta peinture, va changer au fur et à mesure que tu peins, et ne prends pas ça comme un ennemi, c'est un allié, tu dois en tirer parti et expérimenter un petit peu. Donc dans cette étape-là, tu vas aussi vouloir en fait placer les formes générales et tes plus gros blocs de foncé. L'étape suivante, ça va être d'appliquer ton blanc. Donc tu vas trouver les zones les plus claires, et comme tu sais déjà, de toute façon, la seule façon d'éclaircir une peinture, c'est ou de rajouter du blanc, ou de rajouter du jaune, ou un mélange des deux. Évidemment, le blanc, là, ça sera plus proche de ce que j'ai envie d'avoir. Donc je vais rajouter mon blanc directement sur la surface humide, en fait, puisque c'est à la prima, de ce que j'ai déjà fait avant. Il ne va pas trop y avoir besoin de teinter le blanc, parce que mon pinceau est déjà un petit peu sale, et en fait, là, ça va se mélanger avec le fond. J'essaie pas de poser de la peinture par-dessus, j'essaie de la mélanger avec ce qu'il y a déjà. Ça va réchauffer mon blanc, ça va en même temps désaturer et éclaircir tout ce que j'avais fait avant. Donc ça, c'est une étape assez importante et ça va déterminer où est-ce que tu vas avoir aussi tes valeurs les plus claires, ça va déterminer potentiellement ton ambiance, etc. Donc c'est vraiment une étape assez cruciale. Ce blanc, tu ne veux pas l'étaler partout, tu veux faire vraiment des groupes de zones avec des groupements de zones très foncées qui n'ont pas trop de blanc, des groupements de zones où il y a du blanc de façon absolument évidente, etc. Dans un premier temps, tu veux garder vraiment tes choses bien séparées. Ne te casse pas trop la tête avec le rendu final, garde-toi bien loin du blanc pur et du noir pur, et avant de commencer à revenir raffiner ces zones-là, tu vas venir commencer à refoncer un petit peu plus tes zones de foncé avec une pâte peut-être aussi plus opaque, avec des mélanges qui vont être de ton choix, mais là en l'occurrence ça va être pas mal de marron, un petit peu de violet, un petit peu de rouge oxyde, de jaune oxyde, un petit peu de vert de vessie aussi, je vais essayer de commencer à créer des variations avec ça. Éventuellement je vais commencer à rajouter du blanc aussi dans mes foncés, mais je vais garder en tête que ma famille de zones foncées doit rester de toute façon plus foncée que ma zone où il y a la flotte, tu sais, où il y a la cascade. Cette zone-là, elle est forcément plus claire que tout le reste. Si tu as des modifications à faire de composition, fais-les dès que possible et éventuellement, le plus vite tu connais ta composition, le mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave, des fois on a envie un peu de commencer la bagarre avant de trouver vraiment sa voie, c'est pas tellement un problème. Par contre, le plus tôt tu trouves ta voie, le mieux. Et si vraiment tu as des changements drastiques à faire, fais-le avant vraiment de rajouter tous les détails. Pour le moment, tu gères des formes générales qui vont devoir être un petit peu en harmonie les unes avec les autres. Tu vois, à un moment donné, j'avais mon arbre qui était un peu trop au milieu, paf, je l'ai décalé, je trouvais que ça allait pas très bien, etc. Ça, après, c'est libre à l'imagination de chacun, c'est ton choix. Fais aussi en sorte de ne pas te noyer dans la peinture, de ne pas rajouter d'épaisseur, on n'en est pas à ce stade-là pour le moment, on est juste au stade de la composition des valeurs, des formes, et tu veux vraiment créer ta composition sans trop rajouter d'épaisseur. Pourquoi? Parce que si tu le fais, et qu'à un moment donné, tu décides de faire demi-tour sur quelque chose ou un truc comme ça, plus il va y avoir d'épaisseur, plus ça va être galère. Si tu as un truc, par exemple, qui est foncé, très épais et que tu veux éclaircir, tu vas avoir beaucoup de misère à éclaircir un truc épais. De façon générale, essaye aussi de rajouter l'épaisseur plutôt vers la fin, encore une fois, mais aussi dans les zones les plus claires, parce que c'est les zones les plus claires, grâce à l'épaisseur, qui vont pouvoir attraper les surbrillances de la lumière en fait sur la peinture. Ces surbrillances-là vont être de toute façon
plus brillantes que tes blancs les plus purs, et de fait, tu les veux vraiment que dans les zones de lumière. Je t'invite à voir que ma palette est vraiment extrêmement désaturée, et c'est des couleurs qui sont vraiment très peu intenses. Pourtant, j'utilise du jaune, du rouge, du bleu de cobalt. Il y a des couleurs puissantes sur ma palette, mais je les mélange entre elles de sorte à ce qu'elles soient vraiment très désaturées, très terreuses. Si toi aussi t'as envie d'avoir un résultat un petit peu à l'ancienne, un petit peu terreux comme ça, et que t'es pas super familier avec le mélange des couleurs, parce qu'effectivement c'est pas évident, eh bien tu peux tout à fait commencer avec des couleurs de terre, donc l'ocre jaune, le rouge terre de sienne brûlée, le terre naturelle, ce genre de couleurs comme ça qui sont déjà par essence désaturées et puis très belles. En dernière étape, et quand tu commences vraiment à être confortable avec tout ce que tu as fait auparavant, tu vas commencer à ajouter des détails. Il n'y a pas besoin d'utiliser un pinceau plus petit, tu peux si tu en as envie, mais je te recommanderais plutôt d'utiliser peut-être 1, 2, 3 pinceaux au maximum et d'apprendre à générer des petites formes avec un gros pinceau, d'apprendre à générer des patterns avec le côté un petit peu éclaté que les pinceaux peuvent avoir parfois. Tu peux juste taper et puis faire en fait des impressions sur ta toile à la place de devoir tout dessiner avec un petit pinceau et tout. Donc voilà, n'hésite pas à faire du tapotage avec un gros pinceau pour ajouter des petites choses comme là, tu vois, les petites feuilles dans l'arbre et tout. Pense pas forcément qu'il faut toujours un pinceau minuscule pour peindre un truc minuscule. Évidemment, ça a du sens dans une certaine mesure. Néanmoins, avec un gros pinceau, on peut faire beaucoup de petits détails. Et en général, les pinceaux un peu plus gros, surtout avec des poils naturels, ont tendance à donner des textures comme ça très naturelles. Maintenant que toute ma composition est terminée et que toutes mes valeurs sont placées, je vais pouvoir finalement placer les derniers détails avec les blancs les plus blancs et puis ma zone focale. Au niveau de mon point focal, ça veut dire l'arbre et un petit peu en dessous, sur la fin, je vais commencer à rajouter des couleurs légèrement plus vives avec un petit peu plus de jaune, des couleurs qui vont se rapprocher un peu du terre naturel, c'est un genre de orange un petit peu jaune et puis assez chaud, néanmoins relativement désaturé mais quand même assez chaud. Et puis voilà, les détails, le point focal et tout, ça se fait vraiment à la fin et c'est là où tu vas ajouter tes couleurs les plus fortes, où tu vas ajouter le plus de variations et tout. C'est pas grave s'il y a des parties de ta peinture qui paraissent un petit peu pas terminées. C'est même plutôt pas mal en fait de hiérarchiser les zones avec des zones qui sont plutôt pas finies, des zones qui sont plutôt très finies, et au milieu, tu gères en fait ta hiérarchisation de finition au travers de ta peinture, et c'est de cette façon que tu vas réussir à faire quelque chose qui va avoir une apparence poétique et pas simplement photoréaliste. Voilà les amis, c'est déjà terminé, j'espère que c'était cool. N'hésitez pas à vous abonner puis à partager avec vos amis qui ont éventuellement aussi envie de devenir des meilleurs artistes de jour en jour. Puisque voilà, moi c'est mon objectif de partager un petit peu ma passion pour l'art et puis d'aider les gens autour de moi à comprendre un petit peu mieux comment arriver un petit peu au niveau suivant. Et c'est la guerre de tous les jours. Moi je galère tous les jours à essayer de me dépasser un peu et j'aime bien partager voilà, un petit peu ce dépassement. En tout cas, à la prochaine, demain, ciao!